Éducation, c'est une priorité. Alors, je le dis aussi, il nous faut davantage de professeurs en maternelle et en primaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où les enfants sont formés, sont éduqués, apprennent à lire, à écrire, à compter. Si les enfants sont ratés en maternelle ou en primaire, ils ne seront, pas de bons élèves par la suite. Ils ne sauront ni lire, ils ne sauront pas écrire, ils ne sauront pas compter. Ils auront de grosses difficultés. Et donc, je le dis bien, dans ce domaine, il faut être très ferme. Il faut avoir le nombre nécessaire de professeurs des écoles en maternelle et en primaire. Il faut un soutien aux élèves en difficulté, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dit, et que les professeurs puissent rester un peu avec eux, près d'eux, parce qu'il y a des enfants en difficulté, des enfants qui sont seuls, vous savez, il n'y en a plus que ce qu'on croit. Les parents ne s'en occupent pas, ils ne sont pas là. Le père est parti, la mère travaille, et l'enfant il rentre, il est tout seul. Voilà. Donc je crois que ça nous coûte cher tout ça, parce que ces enfants après traînent dans la rue, ils deviennent tout et n'importe quoi. Et je crois qu'il faut les aider, c'est un devoir. Quitte à aider un petit peu à augmenter le salaire de ces professeurs.